Sublime, ça. 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 On les appelle les marathoniennes du spectacle. Ma vie est une comédie musicale. Chanteuses, comédiennes. Depuis plus de 50 ans, Annie Cordy et Marthe Mercadier amusent la France. Sur toutes les scènes, dans toutes les capitales. Bon pied, bon oeil, à plus de 76 ans, elles continuent de jouer les têtes d'affiche. Leur point commun, dynamisme et bonne humeur. Je fais des pirouettes. Quel est leur secret de jouvence? Comment font-elles pour durer et remplir les salles? Coulisses de deux femmes inoxydables. Une robe à paillettes dans les coulisses, je vis mon rêve. Ah ouais, ça n'ouvre pas avant. Cet après-midi, Annie Cordy donne un gala en Belgique, 5 heures de route. Au moment où elle me dit, je vais attacher ta ceinture, elle fait la même chose que moi, regarde, ça fait dingue. Je... Pour tout vous dire, enfin ça c'est tout à fait entre nous et pas tout à fait normal non plus. À l'arrière, sa nièce Michèle, c'est son assistante. Au volant, son producteur. Midi et quart, midi et demi. Ah, Nougat. Et Annie n'oublie jamais Nougat, son chien. À 77 ans, elle vit à un rythme d'enfer. D'ailleurs, la voiture, c'est depuis longtemps sa seconde maison. Ça fait plus de 50 ans que je suis là, moi je sais que mon mari m'a quitté il y a une quinzaine d'années, donc on avait fait 4 fois le tour du monde en voiture. En voiture, je dis. Hein. Pour les tournées. Pour les tournées, je ne parle pas des avions, les trains. Hein. Comment s'appelle ce grand écran que j'ai chez moi? Certains la croient à la retraite. Ah, oui, en fait, Annie Cordy a un emploi du temps de ministre. Bon, alors Daniel, je vous dis au revoir, je vous fais un gros bisou. Moi, j'ai le téléphone qui sonne, excusez-moi. Hein. Je vous embrasse bien fort. Il faut répondre aux interviews et négocier les contrats. Vous pouvez Non, là, je suis du côté de... Je vais arriver à Charleroi, là. Oui. Avec ses deux téléphones portables, elle se laisse parfois déborder. Qu'est-ce que c'est? Ça sonne tout le temps, c'est infernal. Oh, c'est infernal. 10 kilomètres. Avant le spectacle, moi, je ne veux pas parler. Je suis pas Céline Dion, mais j'ai besoin de ma voix, moi aussi, hein. C'est à toi de dire non, c'est pas à moi. À dire non. T'arrangeras avec mon producteur si je veux pas chanter cette musique. Après spectacle, tout ce qu'on veut. Chut, chut. Tu parles pas? Oui, c'est ça. Tu vas en prendre, hein. je te les mets, hein. Charleroi, en Belgique. Direction la salle des fêtes. Ici, elle connaît déjà tout le monde. C'est une habituée. Oui, la route, ça a été. Valise, loge, elle est comme chez elle. Car Annie Cordy, c'est 6000 spectacles en 50 ans de carrière. Une vraie vie de saltimbanque. Parce qu'il est resté coincé. Pendant ce temps-là, dans le hall, on s'arrache les dernières places. 1300 spectateurs, dont une majorité de seniors. Un public de fidèles. Des théâtres comme celui-ci, Annie en a rempli 70 durant les 3 derniers mois. Et ah, les petits pots, les petits machins, ah. Ah, les petites nanas avec leurs trucs. Et tout ça sans le relais des médias. Vous écoutez les radios, moi j'entends très rarement Annie Cordy. Alors les gens peuvent se dire, tiens, elle travaille pas. Mais j'arrête pas, donc vous voyez. Mais moi ça n'a pas d'importance pour moi, puisque je remplis les salles. Et je fais mon métier, c'est ce qui compte. C'est Mimi. Et voilà l'un des secrets d'Annie Cordy, sa potion magique. Elle en mange avant chaque spectacle. Je mange 2 heures avant de commencer. Comme c'est des sucres lents, ça tient bien au corps et c'est léger. Je vais finir par aller les faire moi-même. Car elle ne les trouve pas toujours à son goût. Ça c'est... Je bouffe du carton, là. Une discipline de sportif, car son show, c'est 1h30 de spectacle non-stop. Je peux dire aux musiciens d'y aller ? Oui, on y va. Avant l'entrée en scène, toujours le même track, malgré l'expérience. Oui, vive Annie. Une surprise pour le public. Bonjour, Alain. Elle entre directement par la salle. Et c'est ce genre de fantaisie que son public adore. C'est aussi pour ça qu'il l'aime.
chaud, chaud, cacao chaud. C'est pas un devoir accompli, c'est un bonheur accompli. Ça y est, je leur ai fait passer un bon moment, ils sortent de là, ils sont contents. Et moi donc ? Voilà. C'est ça l'important. C'est toute ma vie, quoi. Essayer de donner du bonheur aux gens. Par mes petits trucs rigolos. Tata yo-yo ! Ah non, je refuse ! Annie, c'est un clown. Pour surprendre et pour faire rire, rien ne l'arrête. Costume excentrique et refrain populaire. Tata yo-yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau ? Tata yo-yo, dans ma tête il y a des tas. Une alchimie qui marche à tous les coups. Tata yo-yo, on m'a dit qu'il y a même un gros lot. Avec ce spectacle, Annie s'est lancée un nouveau défi. Dans quelques jours, elle va tenter de remplir la Mecque parisienne de la chanson, l'Olympia. Moi, j'aime ça, quand ça fait ding, 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 ding. Comme une samba. Ah, ah, une autre super mamie du showbiz, Marthe Mercadier, 76 ans. Appel. Nous sommes dans un théâtre parisien, elle s'apprête à entrer en scène. Marthe Mercadier, c'est l'une des stars du théâtre de boulevard. 50 ans de carrière et autant de pièces à son actif. Elle est sur scène tous les soirs. Allez, 55 ans. Allez, mon chéri, on est à la sortie du mariage. Hein, on arrive, on va aller comme des boxeurs. Hein. Petite séance d'échauffement pour se mettre dans l'ambiance de la première scène. Un retour de mariage très animé. J'arrive même plus à l'ouvrir. Et c'est parti pour 2h30 de sprint. Jacques ! Dès le début, Marthe Mercadier mène le jeu à un train d'enfer. Couple, amant, maîtresse, porte qui claque, tous les ingrédients de la comédie de boulevard. Allez, viens avoir un petit coup à la maison. Vous avez le trac? Non. J'ai un rendez-vous d'amour. Mais j'ai le trac avant l'amour, à la ville. Mais pas là. Mes tracts sont déplacés. J'ai beaucoup de tracts à la vie. Entre deux scènes, un coup d'œil au texte. Elle l'a déjà joué 500 fois, mais le trou de mémoire, c'est sa hantise. Juste en face de l'auberge. Enfin, il s'amuse, il change le texte. Vaut mieux quand même. Et oui, monsieur. Pour garder la forme, une recette de grand-mère. Une poche de sang sur la plante des pieds. Quand on fait ça, ça remonte au cœur. D'un coup de fouet. Ça y est, j'ai fâché ma forme. Oh, t'en fais une tête. Peux-tu t'y regarder? Je me suis approché trop près de l'hélicoptère. J'avais pas vu les lits, ça. 10 minutes de pause pour son rôle, Marthe est remontée dans sa loge. Mais ce soir, quelque chose ne va pas. Entrez. Comment il est, le public, là? Très mauvais. Très, très mauvais. C'est très rare. C'est peut-être la deuxième salle qu'on a comme ça. Ils comprennent... Enfin, je sais pas. Ils se demandent si c'est bien la pièce qu'ils voulaient voir jouer. Ils cherchent... Ça va vite, c'est là. Peut-être ils ont l'habitude de comédies plus réfléchies, plus douces, amères, avec des scènes. Là, ça va dans une folie. Donc là, vous allez mettre le double d'énergie là pour essayer de remonter. Oui, on va les avoir, on va les avoir. À un moment donné, ils vont être déchaînés. Mais pas maintenant. J'attaquerai avec une de mes compilations. Aucun répit.
Après des années de métier, le combat n'est jamais gagné d'avance. Alors ce soir, elle redouble d'énergie. À plus, Michel. Et ses efforts portent leurs fruits. Alors, il se déclenche un peu. Elle est bouillante aujourd'hui. Et moi, tu veux savoir si je t'aime? Oh putain, elle est chaude. Oh, t'en loupe pas une, je suis trompée. Oh, c'est pas vrai. Elle s'est arrêtée net. Lucie, elle s'est évanouie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Elle a giflé, ça fait 30 ans que t'en rêves. Bah, t'attendras encore 30 ans. Pour les comédiens, le pari est gagné. Et voilà pourquoi afficher le nom de Mercadier en haut d'une affiche, c'est quasiment pour les producteurs le succès assuré et pour Marthe, la garantie de durée. Marthe, où est-ce que vous trouvez votre énergie? C'est eux, ils m'envoient tout. J'ai qu'à attendre comme ça. J'ai rien à faire. J'attends les paumes ouvertes et ça vient. Et moi, je leur envoie tout mon amour, toute ma reconnaissance. C'est ça, c'est pour ça que j'aime le rire. C'est pour ça que j'aime la communication. Et si je sors en larmes et tout, je profite de rien, je suis rien. Je suis triste et je pleure. Mais si, j'ai assez pleuré comme ça. Rire pour ne pas pleurer. Marthe l'a fait pendant un demi-siècle. De Gabin à Bourville, à 20 ans, elle côtoie les plus grands. Au total, elle jouera dans plus de 90 films. Mais c'est le théâtre qui lui permet de s'épanouir. À son actif, plus de 50 pièces comiques, car Marthe a besoin d'oublier. Oublier cette enfance si douloureuse qu'elle conjugue avec souffrance. Tout commence à 6 ans, lorsqu'elle perd la parole durant 10 mois. Quelques temps plus tard, une mauvaise chute et ses 2 ans de paralysie totale. Puis ensuite, il y aura la guerre et l'exode. Je l'ai écrit, le rire est mon refuge. Ça a été une réponse par ce cloisonnement de ma vie personnelle, de mes épreuves et de ce que je souhaitais vivre. Je souhaitais exister comme femme dans une espèce de folie et de rire et d'humour, ce dont j'avais été privée pendant toute l'adolescence. Une heure après le spectacle, Île Saint-Louis dans le centre de Paris. Comme tous les soirs, vers minuit, Marthe rentre chez elle, reconduite par son chauffeur. Mais sa journée n'est pas terminée. Pendant que Michel monte ses affaires, elle a déjà enfilé ses chaussures de sport. Une heure de jogging chaque soir avant de se coucher. Ça fait du bien. J'adore. J'adore courir, j'adore respirer. Vous n'êtes pas fatigué? Ah, ça me repose. Ça me détend. Et encore un petit tour. 76 ans, c'est... cette possibilité de se sentir au bord de la décrépitude et de se dire je vais la gérer, je vais tout faire. Par exemple, je vois si je peux faire ça, si je peux faire ça, si je peux faire ça. Ah non, je ne peux plus. Ah bon, alors. Voilà. Il faut mettre sa tête sur ses genoux, par terre. Annie Cordy, elle, c'est le matin qu'elle entretient sa forme. Ça, c'est sublime, ça. Nous la surprenons au saut du lit dans son appartement parisien. Hop. Hop. Et c'est tous les jours comme ça. Ça. Ça, c'est très bon, ça. C'est une élégance vis-à-vis de ceux qui viennent vous voir. D'être en forme. De rester bien. Le jour où je ne pourrai plus
me balader sur une scène comme si j'étais chez moi. Et simplement, et bon, et marcher, et tourner, et virer, et lever la patte par ici. J'arrêterai. Je ferai autre chose. Il faudrait que je recherche là-dedans. Dans un coin de la chambre, des centaines de clichés. Ça, c'est à Rio de Janeiro. Derrière moi, baie de Rio avec le pain de sucre. Voilà, les cheveux, dis donc. Née en Belgique, dès son plus jeune âge, la petite Annie pratique la danse. À 22 ans, c'est les cabarets, puis la consécration. Décolletée, plume de paon, elle est engagée comme meneuse de revue au Lido. Elle rencontre alors François-Henri Bruneau. Entrepreneur, il va devenir son mari, mais aussi son impresario. Une vedette est née. 500 chansons, une soixantaine de fictions, 9 comédies musicales, 12 disques d'or. 40 ans de succès et d'amour. Mais en 1989, son mari décède. Le couple n'aura pas eu d'enfant. Annie poursuit son chemin seule. On va aller pour plein pour moi tout à l'heure. Allez, dépêche-toi. Allez, viens. Oui, je sais, tu as faim. Cette carrière bien remplie, sa gouvernante Bernadette la suit depuis 40 ans. Je sais que tu as faim. Je sais. C'est difficile quand on lui dit de se reposer ou de ralentir. Ça, c'est très difficile. C'est-à-dire ? Ah bah, oui, mais elle n'en pense pas un mot. Hein. Dans sa tête, elle ne pense pas à se reposer. C'est de ma part. C'est de la part de Mimi. Ouais. Il en a déjà eu, Mimi. Hein. Comment on fait le tri des amis, des gens qui vous entourent ? Est-ce que c'est difficile ? C'est pour ça que vous avez confiance vraiment, par exemple, en ces deux personnes ? Mais j'ai d'autres amis, hein. J'ai des amis, mais c'est vraiment la famille, ça. Rien à voir avec tout ce qui est d'artistique, ça n'a rien à voir... Ici, on parle d'artistique quand on a besoin d'avoir des rendez-vous artistiques, mais à part ça, on ne parle pas d'artiste. Et les flatteurs et les mondanités ? Oui, mais on connaît ça par cœur. Tu es sublime, ma chérie. On en prend et on en laisse. Hein. C'est comme ça. C'est quand même... Seul moment de détente, quelques minutes par jour sur sa terrasse au milieu des oiseaux. Elle leur accroche des boules de graines quotidiennement. Mais quand il n'y a pas de boules le matin, ils râlent. Hein. Ils râlent, les moineaux. Oui, oui. Hein. Oui. J'ai l'air de dire, alors, ça vient quand ? Maman ? Allô ? Au pied du domicile de Marthe Mercadier, Véronique, sa fille. Comme tous les matins, elle attend sa mère devant son immeuble. Elle n'a pas le droit de monter et elle a dû s'y faire. Et pourquoi vous ne montez pas ? Ah bah parce que je ne vais pas la déranger. On fait comme ça, c'est un code qu'on a entre nous. En fait, Marthe Mercadier ne reçoit personne chez elle, même pas sa fille. Bonjour. Ah, fini le soleil. Mmh. Allez, viens. Véronique, c'est la fille, mais aussi l'assistante de Marthe. Voilà, d'accord. Elle prend ses rendez-vous, gère son planning et l'accompagne en promotion. Bien entendu, il vient à la soirée. Mais travailler avec Marthe, ce n'est pas toujours facile. Isabelle. D'accord. Voilà. C'est impossible. Si on ne m'aime pas, c'est impossible. Vous savez, mes amis ont deux options. Ou on m'aime et je suis solide et on peut tout me demander et je suis toujours là pour aider, pour ça. Ça, c'est mon éthique de vie. Ou on ne me connaît pas bien, et alors je suis insupportable, exigeante, dure, imprévisible. Moi, je suis habituée, donc je suis. Hein. Quand ça explose, et puis c'est comme ça. Il faudra m'abattre au bazooka. Un caractère bien trempé que connaît bien Monsieur Mespouled, le chauffeur attitré de la comédienne depuis 5 ans. Bah pour le souterrain, Michel. Je peux pas aller, je vais prendre le... Non, je parle du souterrain. Je parle pas de la statue Jeanne d'Arc. Et depuis 5 ans, ils ne sont pas d'accord sur les itinéraires. On a et la rue de la Chaussée d'Antin, on fait tout un détour. On n'est pas en retard, là. Voilà. Pour rester populaire, Marthe soigne son image. Aujourd'hui, journée promotion. Arrivée en fanfare dans le hall d'un studio de télévision, Marthe participe à l'émission de Laurent Ruquier. Je suis défaite en arrivant.
Bonjour, madame Mercadier. Oh, bonjour, monsieur Ruquier. Quel honneur. Oh, Laurent. Vous êtes filmé? Oui, oui, nous sommes. Nous sommes filmés. Vous allez passer à la moulinette, là. Merci de venir me faire un bisou. Mais c'est vrai que Marthe Mercadier, moi, je la regardais, pardon, Marthe, mais quand j'étais gosse et qu'on voyait au théâtre ce soir, voilà, elle faisait partie des comédiennes qui donnaient envie un jour d'écrire pour le théâtre. Il y a Maria Pacôme, Marthe Mercadier. Elle est endurante, hein. Ah oui, ça, elle est. Bah, les autres sont mortes, c'est pas cool. Non, Maria va très bien, Maria Pacôme va très bien. L'enregistrement de l'émission commence. Je vous donne le top quand c'est à vous de rentrer. Vous rentrez à mon top, vous arrivez dans le dos de Laurent. Dans le dos de Laurent. Voilà, et vous installez à sa droite sur le sol tabouret. Ok. J'aime beaucoup quand elle dit, on a l'impression qu'il dit une chose sans vraiment le penser. J'ai vu deux interviews. Marthe se concentre, l'enjeu est important. Un magazine plutôt féminin, un magazine plutôt masculin. C'est important pour vous la promotion? Très important. C'est même notre seule possibilité de survie. Car si vous n'êtes pas invité, on vit à peu près 6 mois sur une émission de Laurent Ruquier. On vous en parle pendant 6 mois. Ce que vous avez dit, vous avez répondu à Laurent, ce qu'il vous a dit, ce que c'était drôle. Pendant 6 mois. Voilà. Et si vous n'êtes pas invité, si vous n'êtes pas aimé par les médias, c'est-à-dire que si vous ne répondez pas, si vous ne jouez pas le jeu, eh bien, les contrats se raréfient et vous êtes plus ou moins éliminé. 3, 2, 1, rappel du temps. Sa forte personnalité. Voici Marthe Mercadier. Elle sait la manier lorsqu'il s'agit de séduire. Vous avez lu les mémoires de Marthe Mercadier, Le rire est mon refuge. Dévoré. Mais c'est formidable, mon cher. Formidable. Et encore une fois, jamais tu n'es intervenu pour obtenir un rôle. Jamais couché. Si, mais pas avec eux. Et c'est pour ça que les médias l'invitent. Le sens de la répartie et un dynamisme d'enfer. J'ai toujours tenu comme ça. Très, très rapide, très à 100 à l'heure. Dans les tournées, c'est pareil. Hommage à 3-4 heures l'après-midi, on est toujours en décalage par rapport aux autres comédiens. Enfin, c'est toujours un speed à 100 à l'heure. Panier en osier et lunettes noires. Bonjour. C'est tout le paradoxe d'Annie Cordy. Bonjour, monsieur. Pendant que certains font de la promotion, Annie préfère aller faire son marché à côté de chez elle. Un quartier populaire loin des lieux chics de la capitale. Son grand plaisir, faire ses courses elle-même, toute seule, comme tout le monde. Enfin, presque. Des gros bisous, boum. Allez, je vais essayer de marcher un peu d'un bon pas. C'est pas loin, les gnocchis. J'espère qu'il est là. Chaud, chaud, chocolat. Annie. Bonjour, ça va? Ça fait longtemps, je ne l'ai jamais vu dans la vie. Eh ben voilà. Tata yo-yo. Pour tout le monde, Annie Cordy, c'est Tata yo-yo. Ça va? Je viendrai vous revoir. Il était de la gaieté. Voilà, merci. Très bien, mais je peux pas. Ah oui, je peux pas. Sur votre propre? Non, avec les grosses têtes. Bonjour, Annie. Bonjour, madame. Eh bien, ça me fait chaud au cœur. Hein. Ils sont là, ils passent, ils reconnaissent. Bonjour, ça va, bonjour. Ben voilà, un petit mot gentil. Moi, ça ne me coûte rien de leur dire bonjour. On fait la bise, on dit bonjour. Vous êtes dans le quartier, ben oui. Qu'est-ce que ça vous apporte, cette popularité? Mais, c'est Annie Cordy. Ou la chaleur, disons. C'est ça qui est important dans la popularité. C'est chaleureux, c'est direct. Merci, madame. C'est des envahisseurs. Voilà. Une étiquette de comique qui lui colle à la peau. Comment ça va? Tenez mon petit. Vous allez bien? Tata yo-yo. On va prendre ma place. Voilà. Plaisir. En un mot pour durer, le personnage Annie Cordy est condamné à faire rire. Dans le tour que je fais, je prouve quand même que je peux faire autre chose que la rigolote. Mais ce que j'aime, justement, c'est faire la rigolote, mettre des chapeaux ridicules, marcher avec les pieds en dedans, et bon, et être près des gens et leur dire, alors maintenant, vous allez chanter avec moi. Et j'ai la chance que les gens s'engouffrent dans tout ça. Mais je leur ouvre les bras, moi. Vous savez, moi, souvent, je vois des chanteurs qui sont comme ça. Ne changez rien. Restez comme vous êtes. Mon amour, vous avez atteint la quintessence. Ne changez rien. Merci. Mais. Oui, bah, vous ne seriez pas ému. On vient vous embrasser, on vient vous dire bonjour. Allez, on continue.
C'est bien qu'on se retrouve là, je dis. Pour Marthe, déjeuner entre copines avec une autre super mamie du rire, Claude Sarraute. C'est l'une des chroniqueuses de Laurent Ruquier. Auteur, journaliste, même génération, même philosophie de vie. Vous venez souvent ici? Ah oui, et le meilleur foie de veau. Et je prends toujours la même chose qui les fait rire, c'est le foie de veau. J'arrive, mon foie de veau. Vous avez un bon coup de fourchette, hein? Ah oui, énorme. C'est pas un bon, c'est un énorme. C'est quoi votre secret à toutes les deux, alors? Le secret de notre jeunesse, entre guillemets. Enfin, moi, je suis sûre que c'est pareil pour moi. On s'amuse dans la vie. Moi, je m'amuse. J'aime ce que je fais. Ce qui m'emmerde avec mes vieilles copines, tu sais, qui étaient à l'école avec moi, elles sont chiantes. Elles ne parlent que de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Elles sont à la retraite, tu comprends? À l'intérieur de moi, je meurs. Alors tu te rends compte que Vanessa, c'est pas du tout sûr qu'elles se mettent ensemble avec je ne sais pas qui. Elles sont uniquement branchées famille. Alors que vous? Oh ben moi, je m'en fous, je sais même plus comment ils s'appellent. C'est-à-dire que vous, vous vivez une vie pleine. Ah bah, mais oui. Elle est au courant de l'actualité, elle prend parti, elle dit je suis pour, je suis quand même bien sûr. Nous sommes des citoyennes. Mais oui. Alors que nos consoeurs et nos amis. Plus que les mecs. Ne sont plus citoyennes. Les mecs. Elles se sont retirées de la vie active, mais oui. Elles. Et comme elles ne s'intéressent pas au foot, si encore elles s'intéressaient au foot, moi ça m'intéresse plus de parler de foot que de leurs petits-enfants. Le gala de l'année pour Annie Cordy, c'est le théâtre de l'Olympia et ça se passe ce soir. Elle sourit mais elle est stressée. On vient vous voir ce soir. Nous sommes en début d'après-midi. C'est l'éternel recommencement. Ça fera le septième. Hein. Alors voilà. Ça y est, c'est le grand jour aujourd'hui. Oui, je suis malade depuis ce matin. Réonne, tu étonnes toujours. Ce soir, Annie réserve une surprise à son public. Une chorale de 80 chanteurs va l'accompagner sur l'une de ses chansons. Mettez-vous un peu en quinconce là, regarde-moi ça comment tu fais. Car Paris, c'est une vitrine. Il faut marquer le coup. Par rapport à la médiatisation, on sait très bien que les télés, les journalistes, enfin tout le monde, tout se passe à Paris. Et ce sont les retombées des journalistes parisiens qui vont nous aider à remplir les salles en province, évidemment. C'est la première fois qu'ils répètent tous ensemble. Sans vous, juste les barytons. Et rien n'est prêt. 2, 3, 4. Ça ira mieux demain, ça ira mieux. Si ça te semble loin, pourquoi ne pas prendre un bon jour d'avance? Ça ira mieux demain. Ça ira attention là. Là, on n'a rien entendu. C'est cinq fois plus fort que ça qu'il faut chanter. Faut que vous cherchiez à couvrir Annie, sinon ça passe pas. Annie, elle est précise, hein? Ah oui, d'une précision diabolique. Diabolique. Oh bah, tout est mesuré au quart de poids. Là, c'est la seule chose qu'on a à répéter. Enfin, le reste est très calé. Michel, oui, vous avez l'air un peu nerveuse, vous aussi, là. Est-ce que c'est contagieux? C'est-à-dire? Annie, elle nous passe un peu stress parce qu'on est tous. On l'aime beaucoup et puis on voudrait que ça se passe bien pour elle. Mais tout ce qu'elle ressent, on ressent. Quand elle est joyeuse, on est joyeux. Quand elle est stressée, on est stressé. Même Bernadette, la gouvernante, donne un coup de main. Annie, elle, tente de se détendre. Tu viendras avec maman? Sur la scène, tu viendras avec maman? Non, dis donc, je t'ai coiffé pour des clous. Hein. Oh! T'es vraiment comme moi, t'es coiffé à coup de tête dans le mur, quoi. Hein? Sortie du théâtre au pas de course. Marthe vient de jouer sa pièce en matinée. Il est pas là. Elle est pressée car elle a un train à prendre. Mais son chauffeur n'est pas là. Il nous attend ailleurs. Je ne sais pas ce que tu fais. Je vais l'appeler. Vous étiez où? Avec le théâtre. Vous fermiez le théâtre. Eh oui. Merci Michel, on rate le train. Merci beaucoup. On rate pas le train. Juste ce soir, vous fermiez le théâtre. Oh là là. C'est bon, c'est bon. J'ai
Merci, madame. Une passante lui ramène son sac, oublié sur le trottoir. Vous aviez fait une chute, Michel, c'est pour ça. J'étais inquiète. J'ai dit, il est sûrement tombé. Mais pourquoi je suis tombé? On l'a poussé, ou quelqu'un l'a poussé. Parce que quand vous ne soyez pas à votre voiture... Je ne suis pas mort. C'est là, à gauche. En espérant que... c'est trop. Les techniciens qui s'en vont, qui reviennent pas, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas. Le décor est remonté à l'envers, on ne peut pas ouvrir la porte, on baisse le rideau. Ah non, ça, attendez, là il y a des limites. Il y a des limites. Je suis patiente, je suis gentil, je suis tout ce qu'on veut. Mais là, il y a le respect du public quand même. Attention. Et soudain, une voiture déboîte. Ah, c'est le coup de l'autre fois. Il y en a toujours à une. Ah, hélas, madame. C'est une corde qui se met en travers de la route. Là, on n'a pas de chance. On voudrait dire que c'est pas une femme, qu'elles conduisent bien, qu'elles ont les meilleurs scores pour les assurances. C'est vrai qu'elles ont les accidents les moins dangereux. Mais évidemment. Des accidents de portière. Évidemment, on est toujours en train de les éviter, la preuve. Très juste. Là, bravo Michel, très juste. Quelle voix. Départ. 18h25, on daille. Deux. On a du pot. Deux. On a l'ascenseur. C'est la deux. On a du pot, on a l'ascenseur. Direction les ascenseurs. Il est en panne. Alors 18h50, Bordeaux, tant pis. Pas de chance, les ascenseurs sont en panne. Ah, les enfoirés. Bah, c'est toujours en panne, alors on en a assez. On en a assez payé, on en a assez de se faire engueuler, on en a assez. Voilà. Les ascenseurs fonctionnent une fois sur quatre. Et si je suis toute seule à mon âge, je ne peux pas prendre le train. Vous voyez, c'est tout simple. Parce que je ne peux pas porter mes valises dans l'escalier mécanique. Mais personne n'y pense, tout le monde s'en fout. Regardez quelle voiture c'est là-bas. La l'autre, c'est 8 ou 10, regarde. 13, voiture 13. 13. 12, 13. Marthe Mercadier. Un personnage entier dans ses éclats de rire, comme dans ses colères. Ah, monsieur le contrôleur, j'ai pas poinçonné parce que l'ascenseur est en panne. Excusez-moi. Alors j'ai pris le machin et j'ai pas poinçonné. Alors je voudrais pas être en plus pénalisé parce que votre ascenseur est en panne. Merci, monsieur le contrôleur. Les colères de l'artiste s'éteignent aussi vite qu'elles ont commencé. Rien que du bonheur du côté d'Annie Cordy. Et comme d'habitude, la salle est pleine. Ça me tient, comme j'ai une amie qui dit toujours ça, te tient en l'air. Elle lui dit, ça te tient en l'air tout ça. Hein. Tu vas chanter, et puis les gens viennent te voir, et puis ils te disent, fais-moi la bise. C'est ça qui te tient en l'air, hein, Annie. La Marcellite. Voilà. Donc c'est ça qui vous tient en forme? Oui, oui, je pense que c'est ça. Finalement, le mariage entre Annie Cordy et la chorale fonctionne bien. Bon, alors, le prochain guéret, c'est quand? Non, je ne sais plus. Alors, je pense que c'est le 21, non? Merci.
Merci, messieurs. Hein. Merci à vous. Le premier à venir l'embrasser, Charles Aznavour, 50 ans d'amitié. C'est la dernière, comme ça. Il n'y en a plus des comme ça. Le moule est cassé, c'est fini. Comme je nous appelle les dinosaures, mais des dinosaures comme ça, il faudrait en faire des nouveaux, des jeunes. Mais malheureusement, les gens n'écrivent plus ce genre de chansons. Je ne sais pas pourquoi, parce que regardez l'effet que ça fait sur le public de tous âges, c'est formidable. La salle était en joie. À partir du moment où on entre en scène, le public est en joie. Et donner du bonheur, parce que ce n'est pas seulement du plaisir, mais donner autant de bonheur au public, ça vaut... C'est impayable. Charles Aznavour, Annie Cordy, Marthe Mercadier. Une famille d'artistes populaires qui a scellé une union parfaite avec le public. Au-delà des modes et des tendances, un véritable pacte d'amour qui défie le temps. Allez! Moi, je mourrais, je sais, joyeusement, sauf si je suis un bouilli dans un accident et tout. J'aurais peut-être pas le temps. Mais ce que je souhaite, c'est d'avoir le temps d'attendre et de me dire ça s'approche, c'est comme un voyage, et que je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté du miroir. Hello baby, donnez-moi ma vie, et là, quand je suis sur une scène, ouais.